vacances là. C'est ça. Tu vas avoir le temps de faire des choses, hein. Qu'est-ce que tu as prévu? Jouer, ben, je sais pas. Ah, papy, mamie, ça va? Ça va. Elle est où, Violaine? Elle est dans son grenier là-haut. Attention, aux escaliers, ils sont raides. D'accord. À tout à l'heure. Bah, pas dans le bon sens. Voilà. Ça va. On a comme ça. Ouais, c'est pas mal. Là? Encore un peu plus à droite, s'il te plaît. Et là? C'est bon, là? C'est bon, très bien. Allez, 3, 2, 1, go! Bonjour les filles, qu'est-ce que vous avez dans votre morgue? Un mannequin. On aimerait jouer avec lui, mais il lui manque des jambes. Et une tête. Tu peux nous aider? Ah, mais là, j'ai pas trop le temps. Je finis ma voiture. Allez, ça peut attendre. Et ça va prendre moins de temps. J'ai dit non. Oh, regardez, là, une tête. Allez. Vendu. Yes! Et comment on fait pour les jambes? Ah, les jambes... Toch iets levender dan een fles wijn of een paar appels. Huh? Goed, dat gaat nu lukken. Ik ga die afdrijven en ik ga die kader zetten. C'est bête, et alors? Normalement, il y avait plein de son moteur, pas moi. Ah bon? Et bah ouais. Et donc? Bah donc, je suis partie, hein. Tu t'es enfuie? Je suis partie. T'es partie? Bon, ça se fait pas aussi, hein. Il a peut-être... Il avait pas un pain. Ouais, mais il a peut-être cru que t'avais un problème, il va peut-être s'inquiéter maintenant, non? Allez. Ah. Tiens. Ce soir, il y a l'exposition. Ouais.
On va apporter la tarte aux pommes pour l'exposition. Mmh. Et puis on va s'excuser. Si. Puis j'essaierai de récupérer le tableau. Si tu veux. Là, tu peux les faire toucher hein, également. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme ça, tu vois que entre le clair et le foncé, c'est pas tellement tchac, c'est pas tellement dur quoi. Ça se fond un peu. Ah oui, oui. L'intérieur, c'est du foncé. C'est du foncé, complètement. Mais plus foncé de ce côté-là, tu vois, plus foncé de ce côté-là, parce que la lumière vient d'ici. Et plus de clair de l'autre côté. Exact. Attends, là, on va essaye de ne pas entrer dans le clair, quoi. Hein? Mm-hmm. Comme ça. Hein? Et magnifique. C'est sympa ce que vous avez fait avec les mannequins, j'aime bien. Bon, c'est pas mal, c'est des enfants. Ah oui, c'est des enfants. Mais c'est beau, c'est vraiment de chair. Mais écoute, qu'est-ce que... Bah alors, je parlerai manger, je veux pas que tu te sers de tes mains, pas de ta mâchoire. Alors, elle est bonne ou pas? Elle est très bonne, oui. Ah, pas trop. Elle est très bonne. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu peins? Ah, le moteur. Un moteur. Ce que je fais, je prends des moteurs. Est-ce que tu sais que moi, je suis un sacré moteur, moi? Sans doute. Est-ce que... je vais te montrer que je suis un moteur, tu vas voir. Si, attends. Enfin, Isabelle... Ah, quoi? Il faut que je termine ça. Rien n'empêche pas l'autre, tu vas voir. J'arrive. Allez, à moi. Tu sais que un jour, comme ça, je regardais la télé et là j'ai eu une révélation. J'ai vu Naomi Campbell. Je me suis dit, bah moi aussi je peux faire ce qu'elle fait. Bon, évidemment, voilà quoi. Non? Je vois que t'es sceptique. Tu ne me vois pas du tout en tant que mannequin, c'est vexant, hein? Regarde-moi cette plastique. Regarde. Mais... Alors, franchement, comparaison, c'est qui le sacré moteur? C'est Isabelle, hein? C'est parti, c'est la pause. Mais enfin... Quoi? Tu veux un modèle? Bim, mannequin. Hop, pose mannequin. Mais non, verdomme. Au paysage magnifique. Je vais te peindre.
Regarde un peu le mannequin.